suis, moi je fais. Voilà. Mieux que ça, on peut pas être. Pas de soucis. Attends, là, je vais arriver. Plutôt comme ça, mais plutôt comme ça. Ok, non, verticalement. Pas. Je pense qu'il va falloir que je t'approche bien déjà, ok. Pour qu'on voit bien le logo gravé. J'ai travaillé pour beaucoup de marques et finalement je me suis aperçu que Hacène est vraiment un créateur parce qu'on n'a pas vu aujourd'hui encore ce style là. Et pour moi ça a été très innovant et ça m'a permis vraiment de me projeter sur le style de vêtements que je n'avais jamais exploité par le passé. Allez, ça va, je te fais confiance. Ok, il n'y a pas de problème. Allez, à plus. Allez, merci, au revoir. Alors le tout premier modèle qu'on a lancé en décembre 2013, donc ça fait déjà 2 ans, c'est ce fameux camis jogging. Donc en fait on voit bien que c'est le mélange entre un camis, une djellaba, et un sweat capuche. Alors le tout dernier modèle c'est celui-ci. Donc là, on voit bien l'évolution, c'est-à-dire qu'avant le camis jogging, c'est vrai que c'était principalement les musulmans qui l'achetaient, parce que ça leur faisait penser pour camis, tout ça. Là, on est dans un truc beaucoup plus ouvert, parce que du coup, c'est plus facile à porter, c'est vrai. Des non-musulmans l'achètent de plus en plus. C'est ce que j'ai appelé l'ensemble pakistanais safe. Le camis jogging, on verra bien. Ouais. La première fois que j'ai fait des camis jogging, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait, il me semble, 250. Parce que comme j'ai dit, c'était juste un test. Et ça a été vendu très rapidement. Et du coup, tous les mois, on a fait du réassort. Et aujourd'hui, après 2 ans, je pense qu'on est, on doit en vendre à peu près 7-8 fois plus. Là, quand je vais répondre, je vous regarde toujours à vous. Ouais. Ouais, excusez-moi, ouais, excusez-moi. Je pense qu'en vérité, ça va toujours continuer. On va réutiliser en cet été. Et en... Sinon... Genre, tu vois, ça fasse un genre d'ovale avec des belles formes et tout, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Peut-être ce sera plus ovale, peut-être ce sera plus rond, je sais pas. Hein. Ouais. En fait, moi, je voulais faire des motifs que les gens avaient déjà vus quelque part. Comme toutes les bonnes idées en fait, elle est venue naturellement celle-ci. Inspire-toi des mosaïques marocaines, inspire-toi des mosaïques turques. Et je suis allé sur internet, j'ai vu plein de trucs, j'ai pris les photos, les images, je lui ai envoyé par mail. Et ensuite c'est lui qui a tout fait, hein, qui a tout fini. Moi j'ai juste donné l'idée et ensuite il a tout peaufiné tout seul. Ouais, un losange ou un ovale, bref, un truc qui prenne un peu d'eau. Je crois que c'est une liaison de jonction. Une petite étiquette sur la manche, 3 petits boutons par gauche, safe.